Alors, quelque chose qui est intéressant, c'est de modifier localement la luminosité. Par exemple, la pâte, là, elle est quand même importante dans l'histoire. C'est quand même la pâte qui va sur la voiture. Il manquerait bien sûr normalement une ombre là, sous la pâte, pour montrer qu'elle est posée sur la voiture, mais ça, ce sera pour après. Il y a autre chose qui m'ennuie, c'est qu'elle me paraît fort sombre. Elle n'est pas si dessinée que ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est un peu du painting. On va dessiner avec la lumière sur l'éléphant pour que l'image soit un peu plus lisible. Donc, le calque de l'éléphant là est activé. Alors, ce qui serait bien, c'est donc au-dessus de faire un nouveau calque. Donc là, je suis bêtement dans le menu de la palette des calques et je demande nouveau calque. Vous avez bien votre calque de l'éléphant activé. Ou alors, vous cliquez là-dessus avec la touche Alt enfoncée. Moi, ce que j'aimerais, c'est voir, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, la boîte de création de nouveaux calques. Je vais, ici, pour la démo, l'appeler Dessiner lumière sur l'éléphant. Voilà, il va être écrété comme les autres. Ici, voilà, comme les deux autres calques de réglage actuels, il sera écrété, il y aura la petite flèche, il n'agira que sur le calque de l'éléphant, pas sur la voiture et le décor. Et alors le mode, on va mettre le mode incrustation. Et on va cocher ceci, couleur neutre pour le mode incrustation, ce qui va nous créer un calque qui sera en mode incrustation. Et en plus, il sera rempli de gris à 50%, ce qu'on appelle du gris neutre. Voilà. OK.